l'impression que cette table est devenue courte, ou bien c'est moi qui ai grandi, ou c'est de quelques pouces, je ne sais pas. Mais de toute évidence, on a besoin d'une chair maintenant ici. Donc je disais, psaume 78, on va lire le 32 ou le 33 premier verset, parce qu'il y en a au moins 72 versets. Donc on lit ensemble, on commence par les premiers livres. Comme je l'ai dit, on va s'arrêter au verset 33 pour aujourd'hui. Cantique d'Azaph, mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements afin qu'ils ne fussent pas comme leurs pères. Une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent les dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tchoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans les déserts et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre les Très-Hauts dans les déserts. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans les déserts ?» Voici, il a frappé les rochers. Et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son discours. Il commanda au nuage d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le bleu du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux les vents d'Orient. Et il amena par sa puissance les vents du midi. Alléluia. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Et comme les sables de mer, les oiseaux ayés, il les fit tomber au milieu du camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, ces peuples d'Israël. Mais ils avaient toujours des désirs. Ils voulaient toujours faire des choses qu'eux-mêmes voulaient. Ils ne s'attendaient pas à Dieu, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Voilà, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa des morts les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher
et ne firent point à ses prodiges, et ne crurent point à ses prodiges. Ils consumant leurs jours par la vanité, et leurs années par une fin soudaine. Oh mon Jésus, quand nous voyons ces choses, nous les lisons, nous voulons regarder ce que nous nous faisons dans ces temps présents. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire la même chose? Dieu dit ceci, mais nous continuons à faire cela. Dieu dit pas ceci, mais nous continuons à le faire quand même. Ce n'est pas bien, parce que la colère de Dieu finira par descendre. C'est mon joyeux service. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Bien-aimé fils.
qu'à chacun dise mon Seigneur. Alléluia. Comme nous commençons ce service, ô Éternel, nous te disons merci pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, nous pouvons déjà sentir ta présence, ô Dieu. Toi, tu es fidèle et fidèle, Seigneur. Tu ne manques aucun rendez-vous. Ô Dieu, toi qui vis et qui règne jamais. Voici encore ce matin, Seigneur, dans ta présence, ô Dieu, pour nous conduire, nous parler, t'entretenir avec nous, Seigneur, nous donner, ô Dieu, ce que toi, tu avais en réserve pour nous, Père. Laisse que ton nom soit loué, béni et glorifié à jamais, Seigneur. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, merci, Père, pour tes merveilles. Merci Seigneur Dieu pour ton amour infini, Seigneur, qui ne change jamais. Béni sois-tu, Père, nous nous confions en toi pour ta gloire. Au nom tout-puissant de Jésus, nous te prions, Père, ainsi. He touch me. Oh, he touch me. And the joy that flows my soul, something happened and I know it touched me and me. Oh, he touched me. Par-dessus toute la terre, ô Dieu, pour pouvoir honorer et glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Car toi, ô Dieu, tu n'as pas, ô Père, préservé ta propre vie, car tu devais un homme, Seigneur, tu es descendu, ô Dieu, sur la terre, revêtu de la chair humaine, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, tu as vécu parmi nous. Ô Père, un vendredi, Seigneur, tu donnas ta propre vie. Un dimanche matin, tu reviens à la vie, Seigneur. C'est pourquoi, mon Dieu, nous nous retrouvons ainsi, Père, pour pouvoir honorer ta résurrection. Bénis, Seigneur, ce peuple ici présent réuni. Bénis, Seigneur, ton peuple qui écoute de loin. Bénis tous celui, ô Dieu bien-aimé, qui écoute et rappelle. Bénis ton peuple qui se trouve être rassemblé partout, Seigneur, dans le monde entier. Souviens-toi, Père de nous, Seigneur, quand nous voyons, ô Dieu, les signes qu'avaient annoncé les prophètes en train de s'accomplir, ô Père. Nous disons que le temps est arrivé, que ton peuple doit se préparer lui-même, Seigneur, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, ô Père, attendant ta venue, Seigneur, attendant le départ, ô Père,
Attendons, Seigneur, avant que ces mondes ne puissent être détruits, ô Dieu bien-aimé. Accorde-nous ta grâce, Père. Garde-nous, Seigneur, sous ton rocher, dans ton rocher, Seigneur. Garde-nous, Père, sous tes ailes, Père, de la mer Aigle. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Laisse qu'en toutes les choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, ainsi que la majesté, Père, puissent te revenir, car tu es Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton grand nom, Seigneur, et nous t'invitons ce matin, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Dieu, tu as promis de venir et de te réunir, Père, avec eux. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous attendons, Père, à ta présence, oh Dieu. Nous croyons que tu es déjà là et nous attendons à ce que, Père, tu déclames, que tu parles, Père, que tu nous instruises, Père. Oh Dieu, quant à ces choses, Père, car ces choses sont une réalité. Chaque jour que nous vivons, Seigneur, tu deviens si réel, oh Dieu. Béni soit ton nom en toutes les choses. Au nom divin de Jésus, nous te prions ainsi, Père, pour ta propre gloire. Il est un espoir qui est toujours soulage. C'est pourquoi je t'envoie les cantiques avant, pour que tu puisses les projeter. Ça puisse toujours être l'après. Alléluia. Il est un espoir qui toujours soulage les cœurs fatigués et la perdue chemin. Il est un repos au bout du voyage à toute nolite. Il est une fin. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel, les élus contempleront Jésus. Il est séjour où toutes les lumières pour rien d'essuyer ni d'impur n'entrera, où ne s'est rempli ni mort ni misère, où les rachetés pour toujours chantera. C'est là, c'est là, cité du ciel, au bonheur éternel, séjour pour les élus, contemplant Jésus. Dans la cité sainte, il n'est plus de temple, le Seigneur et l'agneau seront avec nous pour l'éternité. L'Église contemple son bien-aimé Sauveur, son chef, son époux. C'est là du ciel, au bonheur éternel, séjour où les élus contempleront Jésus. Ô Jérusalem, patrie, tout mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, prince de la vie, attends mes soupirs et l'appel de ma foi. Bientôt, 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 bientôt au ciel.
Combien il est bon, combien il est bon.
Et puis juste après ça, on gardera une minute de silence en mémoire de notre frère qui nous a précédé, le frère, comment il s'appelle encore, son nom m'échappe, oh là 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 là, la vieillesse, c'est pas bon, le frère qui est mort, le chanteur, est-ce que vous connaissez encore son nom? Non, c'est Émile, c'est le frère Émile. Mais c'est mon prénom qui m'échappe, c'est le frère Émile. Alléluia. Bon, c'est un frère. Moi, je le connais. Il a servi Dieu. Ils ont commencé à chanter pratiquement dans les mêmes époques que le pasteur Louis Foucault et les autres chanteurs là-bas. Et puis, bon,
Dieu l'a rappelé, il vient en Angola. Bon, c'est le frère Émile. Donc on lit d'abord l'écriture et puis on va garder une minute de silence à sa mémoire. Nous allons lire dans le livre de Malachie au chapitre 4, au verset 5 jusqu'à 6. Souvent quand nous lisons cette écriture, peut-être d'aucuns ne comprennent pas l'essence pourquoi on insiste tellement. Oui, on insiste parce que l'évangélisation au temps de la fin consiste à prêcher que Malachie 4 est accompli. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça la chose. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera, quel sera l'objectif? Quel sera le message? Quel sera le but du message de Malachie 4? Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Les cœurs de nos pères, les patriarches, les anciens, aux enfants. Les enfants, ce sont les apôtres. Les enfants des patriarches. Et le cœur des enfants à leurs pères. Aujourd'hui, nous, nous sommes les enfants. Et nos pères, ce sont les apôtres. Alléluia. Ah. Et Dieu continue. Il dit que de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand on, dans la Bible, on parle du pays d'interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne vienne pas détruire son propre peuple. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons garder une minute de silence pour le frère. En sa mémoire, il a servi Dieu. Il chantait merveilleusement bien. Il avait toujours des chansons qui touchaient les cœurs. Pour dire à l'homme, hey, pendant que tu vis sur la terre, souviens-toi qu'il y a un Dieu, qu'il y a un ciel à gagner. Un jour même, le pasteur Lifoko, pendant qu'il parlait, il a fait une blague disant que, il lui a posé la question, mais pourquoi toi, tes chants, c'est toujours comme si c'est de la tristesse? Les dons, c'est comme ça. Ça fonctionne selon ce que Dieu a mis dans le cœur. Alléluia. Donc, gardons une minute de silence en son mémoire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, quand je vois des choses comme ça arriver, je vois vraiment que le temps est en train d'avancer. Et là, vous m'avez mis quelque chose en anglais. Je ne prêche pas en anglais. Je prêche en français. Voilà. Quand je vois de telles choses arriver, des amis que vous avez connus, il y en a beaucoup qui sont en train de partir. Capitaine Moulaba. Le frère Émile, il y en a d'autres que je ne saurais même pas citer de nom. Ils sont en train de partir, partir, partir. D'autres nous ont précédés, ça fait des années. Les grands pasteurs, pasteur Barouti et tout. Ils sont en train de partir. Et tout ceci, c'est pour nous rappeler que nous sommes des pèlerins sur la terre, du vivant, que notre temps aussi est en train d'arriver. Si Dieu le veut, parce que c'est lui qui garde et qui conduit toutes choses. Amen. Ouais. Tu veux lire ta Bible et on te met des histoires. Vraiment, le diable, il n'est pas sérieux. C'est pas possible. Oh là là. Quelqu'un qui veut lire la Bible, on lui met des histoires. Ça peut paraître comme une blague, mais c'est sérieux. Voilà. C'est pourquoi d'autres serviteurs, ils n'aiment pas les Bibles numériques ici. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bon. Jean, on va lire dans le livre de Jean 3. Verset 16. Ça, c'est quoi? C'est ça?
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler de notre thème du dimanche passé. Nous sommes en train de parler de l'âge de Pergame. Donc on peut utiliser sa langue de Pergame numéro 2 ou deuxième partie. Mais nous avons une petite inspiration là-dedans à partir de ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser pour parler de quoi là, du messager. Parce que l'âge comme soi, nous l'avons déjà présenté, la place qui s'est trouvée Pergame et tout ça, ainsi de suite. Vous pouvez faire monter le slide là-bas. Vous pouvez faire monter ça jusqu'au messager, voilà. Bon, on peut s'arrêter là. Donc, l'âge de Pergame a duré environ 300 ans. C'est ce que dit Frère Branham. Ça a commencé de 212 à 606 après Jésus-Christ. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous allons insister un peu de parler du messager. Qui était le messager de cet âge-là? Bon, des fois aussi, quand nous parlons de ces choses, il faut quand même que nous mettions une certaine base pour que le peuple comprenne de quoi il s'agit. Parce qu'il y en a d'autres qui l'écoutent seulement maintenant, qui ne savaient pas, mais d'autres qui savent et tout ça. Donc, il faut que les deux puissent être au même niveau. Alléluia. C'est ça la chose. Donc, quand on parle des âges de l'Église, ou on parle d'un certain messager, c'est simplement parce que, selon la révélation que nous avons reçue aujourd'hui, comme je venais de vous lire dans les livres de Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, là-bas, on nous a fait comprendre que Dieu avait promis qu'il va envoyer Élie le prophète. Et Élie le prophète, il n'est rien d'autre que le messager du dernier âge de l'Église. Mais d'où sont sortis les âges de l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire? Les âges de l'Église, c'est simplement parce que quand Dieu avait créé le monde et qu'il avait mis Adam et Ève sur la terre pour y vivre, Dieu leur avait interdit de manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme qui toujours a tendance à aller vers ce qui est interdit, il a fait quoi? Par la séduction du diable, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On reviendra sur ça un jour, Dieu voulant. Mais puis aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Je vais seulement faire montrer qu'est-ce que les âges. Parce que quand on en parle, d'autres ne comprennent pas. Donc il faut donner un peu de la lumière. Donc, les âges, voilà que quand l'homme a commis ses péchés, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais la Bible, comme nous l'avions dit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu, il a tellement aimé l'homme qu'il a créé, parce que si nous entrons dans la généalogie de Dieu, sur la terre et pour les hommes, vous verrez que Adam est fils de Dieu. Donc quand Dieu a créé Adam, en fait, Dieu était en train de se reprocréer lui-même sur la terre. Il était en train de donner, comment dirais-je, donc il a fait en sorte que son fils soit gouverneur de la terre. Et ce fils-là, c'était Adam. Voyez-vous? Et quand Dieu a donné cette instruction, vous savez, quand Dieu dit quelque chose, peu importe le temps, la chose-là s'accomplit toujours. Donc, la race humaine, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, désormais, vous mangerez à la sueur de votre front. Donc, toutes les calamités se sont abattues sur la terre. Voyez-vous? Et plus tard, Dieu dira, comme c'était Adam sa semence, il a dit, il faut que je vienne sauver cette semence-là. Et Dieu a utilisé des prophètes puissants, tout ça. Et Dieu a dit que je vais me donner un peuple. En fait, le peuple-là que Dieu s'est donné, c'était pas un peuple au hasard. C'était son propre peuple. Parce que quand on prend cette généalogie-là de ces peuples-là jusqu'à Israël, vous verrez que leur papa, c'est Adam. Est-ce que je peux entendre un amen? Bon, aujourd'hui, je n'entrerai pas dans les deux semences. Parce que dans cette église ici, on les a déjà vues. Quelles sont les semences qui sont sur la terre? Sur la terre ici, il y a deux semences qui cohabitent. La semence de Dieu et la semence du diable.
Parce que le diable avait envié le peuple de Dieu. Le diable avait envié la femme de Dieu, qui est son peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour, nous n'entrerons pas dans les détails. Mais je donne seulement comme des avant-goûts et en vous donnant une certaine illustration pour vous faire comprendre le temps dans lequel nous vivons. Pourquoi les âges de l'Église? Pourquoi les messagers? Bon, voilà. Alors, comme l'homme... Dieu avait dit que quand vous péchez, vous avez perdu la gloire. Vous ne pouvez plus vous approcher de Dieu à cause du péché. Mais maintenant, Dieu est en amour. Il cherchait un moyen comment nous ramener là-bas vers cet amour-là, vers lui, afin que nous soyons encore ensemble, unis. Et il avait fait la promesse. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, de toi, Abraham, sortira mon peuple. Abraham, si vous suivez, c'est toujours fils d'Adam. Maintenant, quand les enfants d'Abraham ont commencé à venir petit à petit jusqu'à à Jacob, et à les douze patriarches, et des douze patriarches sont sortis Israël, le peuple de Dieu. D'ailleurs, Jacob lui-même, quelque part là-bas, quand il a rencontré Dieu, son nom fit changer. Voyez-vous? Bon, maintenant, vous voyez que tout ça là, dans l'histoire de la rédemption, jusque-là, ça concerne que le peuple d'Israël. Nous autres ici, païens, ou les païens, les autres nations, nous n'étions pas concernés. Est-ce que cela veut dire que par la grâce de Dieu, même les païens n'entraient pas? Oui, même par la grâce des païens rentraient. Mais la promesse, ce n'était pas pour eux, c'était pour les enfants d'Israël. C'est pas étonnant que ce jour-là, quand la femme syrophénicienne s'est tenue devant Jésus, il a dit, « Oh Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi. » Jésus lui a dit, « Mais les choses des enfants, je ne peux pas donner ça aux chiens. » Vous voyez? Jésus, le grand amour, le Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, il a dit ce jour à cette femme-là, les choses des enfants, on ne peut pas donner ça aux chiens. Donc, les autres races, pour Dieu, c'était comme des chiens, c'était comme des animaux. De toute façon, un homme qui n'a pas Dieu, c'est un animal. C'est ce que dit Paul. La chose qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est la présence de Dieu dans son cœur. Maintenant, quand l'homme n'a pas la présence de Dieu dans son cœur, il n'est pas différent comme un animal. Cet homme-là serait capable, dans ses envies, de prendre même un bébé pour pouvoir s'en abuser. Mais un homme qui a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas faire ça. Parce qu'en lui, l'Esprit du Père lui dira que ça, c'est mauvais. Alléluia. Amen, amen. Donc, voyez-vous, la parole, la rédemption et toutes ces promesses étaient pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Maintenant, regardez. Dieu avait dit que moi-même, Dieu, je viendrai, je sauverai ce peuple d'Israël. C'est ça qu'il avait promis. Mais maintenant, la chose s'est fait comment? Le jour où Dieu descendra sur la terre, revêtu de la chair humaine, avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il est descendu, le peuple d'Israël, ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comploté, ils ont fait arrêter Jésus. Oh non, celui-là, c'est un homme, il s'est fait passer pour Dieu. Oh, celui-là, il fait ceci, il fait ça. Regarde les accusations. C'était devant Pilate. Et Pilate a dit, que dois-je faire de cet homme ici? Il a pensé en tant qu'un homme, ah bon, lui c'est un prédicateur. Et surtout que cette nuit-là, quand Jésus avait été arrêté, la femme de Pilate a été dérangée toute la nuit. Quel était le dérangement? Elle voyait dans un songe un homme saint qui était apporté devant son mari et son mari devait juger cet homme saint. Et dans le songe, la femme voyait tout ça, elle s'est battue. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit à son mari, « Mon mari, aujourd'hui, on va t'amener un homme saint. N'aie rien à faire avec lui, ne le condamne pas. » Le mari a entendu, il pensait que peut-être c'était de la blague, mais ce n'était pas de la blague, parce que Jésus était là. Bon, maintenant, Pilate, après avoir raisonné toutes ces choses, il s'est dit, « Ah, peut-être que je prenne un peu Barnabas, qui était un tueur, que je l'amène là. » Et devant les peuples, comme ça les peuples, comme c'est la coutume, ils vont choisir. Je suis sûr qu'ils vont choisir un homme saint au lieu de choisir un voleur. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il veut faire quelque chose, peu importe les stratégies que vous allez arrêter, ça ne peut pas détourner la volonté de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Alors, ce jour-là, ils ont amené Barabbas et Jésus. Pilate leur a posé la question, « Que voulez-vous que je relâche ?» Tous, au lieu de dire Jésus, ils ont dit Barabbas. Pourquoi? Parce que pour eux,
Leur cœur était tellement endurci. C'est Paul qui vient nous révéler ce mystère-là. Paul qui dit que le peuple d'Israël, leur cœur était endurci pour qu'ils ne puissent pas accepter Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, si le peuple d'Israël avait accepté Jésus, il en serait fini pour les autres peuples du monde. On ne serait pas sauvé. Vous allez être sauvé comment? Parce que vous n'avez pas de promesses. Oui, celui qui attend l'argent à la fin du mois, c'est celui qui a travaillé, il a la promesse de son patron, à la fin du mois tu auras l'argent. Celui qui n'a pas travaillé n'aura rien. Donc, les autres peuples n'avaient aucune promesse avec Dieu. Ils n'avaient aucune alliance avec Dieu. Donc, ils pouvaient s'attendre à rien de la part de Dieu. Mais quand le peuple d'Israël, le cœur a été endurci, c'est comme ça que le peuple d'Israël ont dit, donnez-nous Barabbas. Et que le sang de cet homme-là, Jésus, que ça puisse tomber sur nous et sur nos enfants. Ça veut dire que la responsabilité de sa mort, que ça soit la nôtre, et la responsabilité de nos enfants. Donc la même punition qui nous concerne, que ça concerne aussi nos enfants. Vous voyez, ils parlaient comme des hommes insensés, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. En fait, vous savez, si Dieu veut vous embrouiller, vraiment il va vous embrouiller. Parce que imaginez, les grands dieux là qui avaient ouvert la mer Rouge, les grands dieux, comme nous l'avons lu dans les Écritures, dans Psaume, qui avaient fait pleuvoir la nourriture du ciel, les grands dieux qui avaient envoyé de la nourriture comme les oiseaux pour manger. Maintenant, ces grands dieux là, il devient un tout petit bébé qui est né dans la crèche. Et c'était une mangeoire des animaux. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels. Donc il est né, oh mon Dieu, il était né dans une ferme. Pire encore, sa maman était encore fiancée avec un certain monsieur qui était veuf, Joseph. Et avant qu'il soit marié, comment il s'appelle? Marie, sa maman, tombe déjà enceinte. Et il racontait partout que, non, la grossesse là venait du Saint-Esprit. Les hommes, quand ils les regardaient, ils disaient, regardez-moi ce couple-là, des pécheurs. L'homme-là, il a connu sa femme avant de pouvoir se marier. Ils ne sont pas dignes d'entrer dans la maison de Dieu. Et tout ça, là, Dieu s'est caché derrière. Alléluia. Donc, Jésus, partout où il passait, on pouvait l'appeler un enfant qui est né en dehors du mariage. Donc un enfant comme un enfant adultère. Mais pourtant c'était l'enfant le plus saint que le monde n'ait jamais connu. Parce qu'il n'est pas venu sur la terre par le péché. Mais il est venu sur la terre parce que l'ange a prononcé la parole. Et la parole a créé un fœtus, une semence dans le sein de Marie. C'est comme ça que Jésus a été conçu. Donc, sa semence n'est pas venue sur la terre en passant par la voie du péché. Non! C'est pourquoi la Bible dit, il était digne. Parce que sa vie sur la terre n'était pas entachée du péché. C'est pourquoi, donnant sa vie, celui qui croit, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et ceci, c'est sans rien payer, sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Tout est sur la base de ta confession. Si tu crois en Dieu, tu reçois la chose. Alléluia. Donc voilà notre brèche, nous les hommes des nations. Comment nous avons reçu cette possibilité par l'amour divin. C'est pourquoi nous avons élu cette écriture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr mais qu'il puisse par cette voie-là devenir enfant de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, quand cette brèche-là a été ouverte, Dieu le miséricordieux, il a dit, je vais accorder aux nations cet âge de l'Église, cet temps, cet messager qui viendront pour apporter ma parole à ces peuples-là.
Le peuple que Dieu a connu avant la fondation du monde. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi, au premier âge de l'Église, Dieu avait pris un certain Paul pour être messager. Nous avons étudié ça dans cette Église ici. Amen, amen. Qui se souviennent? Je crois que vous tous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous avez oublié? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. On a parlé de la vision des Patmos ici. On a parlé de la révélation de Jésus-Christ. Et tout ça, c'est la révélation de Jésus. Et nous avons parlé de l'âge d'Éphèse. Nous avons parlé de l'âge de Smyrne. Même quand je suis allé au Canada, j'ai prêché là-bas un sermon sur l'âge de Smyrne. Parce que j'étais encore sous l'onction de la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons avec l'âge de Pergame. Ça, c'est le troisième âge de l'Église. Donc, ça là, c'est comme une fenêtre que Dieu a ouverte dans les temps. Pour que l'Église des nations, ou le peuple des nations, le peuple qui n'avait pas d'alliance avec lui, en tant que peuple, puisse entrer par cette occasion vers Dieu. Ô peuple des nations, Dieu vous a aimé, il vous a montré son amour. C'est pourquoi il vous a envoyé ces messages que nous essayons de prêcher par William Marion Branham, lui qui est l'élu de ces jours. Moi, quand je cite Branham, je ne l'adore pas. Parce que moi, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Et sa photo est là-bas, suspendue là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a payé les prix afin que quiconque croit devienne enfant de Dieu. Alléluia. Donc, nous voici maintenant dans le troisième âge de l'Église. Et nous allons commencer notre petite leçon dès ce matin. Je ne sais pas si Dieu va nous permettre d'aller jusqu'à la salutation aujourd'hui. Ça veut dire la première partie de notre étude, même dans l'âge de Pergame. Je ne sais pas. Parce que Dieu, c'est lui qui conduit. Nous nous suivons seulement. Nous n'avons même pas de connaissances comme nous le disons. Nous aimons simplement répéter ce que lui l'a dit. Donc, nous allons d'abord parler du messager. Après, nous allons entrer dans la salutation. Et puis, nous allons entrer dans la matière même. Qu'est-ce qu'était l'âge de Pergame et tout ça. Et on va évoluer petit à petit. Donc, notre inspiration d'aujourd'hui en parlant du messager, nous disons que dès ces moments-là, ou à partir de ces moments-là, et vous allez comprendre pourquoi, parce que on ne peut pas venir à Dieu. Non, non, non. On ne peut pas venir à Dieu comme ça. Non. Non, 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 non. Parce que Dieu, d'abord, il est esprit. Alors, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, d'abord, et en vérité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, le messager de l'âge de Pergame, en utilisant la règle que Dieu nous a donnée, là je fais une petite rétrospective parce que ça, cette partie, je l'avais déjà lue la fois passée. On pouvait commencer à l'époque de sa conversion, mais commençons là. Toujours pour donner la répétition, c'est une bonne chose, pour que la matière puisse bien entrer. En utilisant la règle que Dieu nous a donnée pour choisir les messagers de chaque âge, c'est-à-dire en choisissant celui dont le ministère se rapproche le plus de celui du premier messager qui était Paul. Nous déclarons sans hésitation que le messager de Pergame est Martin. Martin, il est né en Hongrie en 315. Toutefois, il a accompli sa tâche en France, pour être précis, à Tours et dans ses environs. Il a rempli sa charge d'évêque. Il est mort en 399. Bon, bien sûr, il est mort, vous savez, eh ben, ça c'est un langage, c'est-à-dire du monde. Il est mort par rapport aux hommes, mais les chrétiens ne meurent pas. Leur âme se repose dans le Seigneur. Alléluia. Et quand la voix du Seigneur retentira un jour, toutes ces âmes reviendront à la vie. Oh, c'est pourquoi c'est le moment de chercher à être avec Christ. Parce qu'il y a un grand prix à gagner, alléluia. La mort n'est rien du tout, amen, pour les chrétiens. C'est simplement un repos. Ce grand saint était l'oncle de notre merveilleux chrétien Saint Patrick d'Irlande. Ça aussi c'est un saint, mais il n'était pas messager. Il a œuvré du côté de l'Irlande là-bas. C'est comme nous l'avions dit, c'est-à-dire que l'évangile, ça part des fois d'un frère à un cousin, tout ça. Moi-même, c'est mon cousin qui m'avait apporté le message ici. J'étais chez nous, il m'a apporté ça. Tout comme les autres, les Paul, les Philippe et tout ça. Des amis, des cousins et tout. Et ici, Saint-Patrick d'Irlande, un cousin, n'est-ce pas? Ou bien un neveu, son oncle, c'était Martin.
À l'époque de sa conversion à Christ, Martin poursuivait une carrière de soldat. Alors qu'il était encore militaire de son état, un miracle fort remarquable se produisit. On rapporte qu'un mendiant gisait malade dans une rue de la ville où Martin servait. Le froid de l'hiver aurait eu raison de lui, car il était mal vêtu. Personne n'avait prêté attention à son besoin, jusqu'à ce que Martin passe près de lui. Voyant les malheurs du pauvre homme, Martin, qui n'a pas de vêtements de rechange, ôte son manteau et le pourfend de son épée pour pouvoir couvrir l'homme frigorifié. Il s'occupe de lui de son mieux, puis continue son chemin. Vous voyez, il n'avait qu'un seul habit. Il a pris son habit, il a coupé ça en morceaux. Il y a des gens, quand ils ont leurs moyens, ou ils ont des choses qui leur appartiennent. Non, ça c'est pour moi. Ils ne veulent pas partager. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas correct. Parce que la vie éternelle, c'est vivre pour l'autre. Quand toi tu en as, il faut savoir partager avec ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ce jour-là, Martin, il a pris son manteau. Pouvez-vous imaginer? C'était pendant l'hiver. Vous voyez? Et les hivers de ces temps-là, quand il n'y avait pas encore les changements climatiques, c'était des hivers un peu durs par rapport à aujourd'hui. Et il n'avait pas beaucoup de moyens vraiment pour se protéger. Mais se protéger comme il pouvait. Mais ce jour-là, Martin a compris que si je laisse cet homme comme ça, cet homme va mourir. Et qu'est-ce que Martin a pris? Il a coupé son manteau. Il a divisé sa part. Il s'occupe de lui, de son mieux. Puis continue son chemin. Cette nuit-là, le Seigneur Jésus lui apparaît dans une vision. Le voilà qui se tient là, sous l'aspect d'un mendiant, enveloppé dans la moitié du manteau de Martin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, la Bible dit, celui qui donne à un pauvre, il prête à Dieu. Ah! Mon Dieu, mon roi. Est-ce que toi, tu as l'argent pour prêter à Dieu? Oui. Tu peux prêter à Dieu quand tu donnes aux pauvres. Quelqu'un qui n'a pas de moyens. Quelqu'un qui est là en difficulté. Quand toi, tu viens avec tes moyens pour pouvoir l'assister. La Bible dit que tu prêtes à Dieu. Donc, ce jour-là, Martin, quand il a coupé son manteau et il a donné une partie à ces mendiants-là, ce jour-là, Martin a donné un manteau à Jésus. Parce que quand il est parti dormir, il a vu la vision que Jésus était venu le voir avec cette partie de manteau que lui, il avait donné au mendiant. Il lui parle et lui dit, c'est moi que Martin, qui n'est pourtant que catéchumène, a revêtu de ses manteaux. Donc Jésus dit à Martin, tu vois Martin, tu m'avais revêtu de ton manteau ce jour-là quand il faisait froid. D'où nous tirons notre inspiration, à partir de ce moment-là. Vous voyez? Après que Martin ait fait quelque chose de positif pour Dieu, il y a des gens, même le jour de l'église, ils ne peuvent pas se lever pour préparer la place de l'église. Les instruments, les ceci, cela, nettoyer, faire en sorte que toutes les choses soient à leur place. Faites quelque chose pour Dieu. Parce que les faisant, les gens ont eu des bénédictions spirituelles. Est-ce que je peux entendre amen? Voyez-vous? Parce qu'avec Dieu, il faut chercher comment, savoir comment les toucher. Pour que lui aussi, de son côté, puisse se rappeler de toi. Amen, amen. Donc, ici là, à partir de ce moment-là, Martin chercha à servir le Seigneur de tout son cœur. Quand votre vie chrétienne, vous n'avez pas expérimenté Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas encore cette chose-là qui pousse l'âme à pouvoir servir Christ, à faire des choses positives pour Dieu. Il y a des frères et des sœurs, ils avaient le temps des fois de prier, d'écouter la parole, de lire la parole. Aujourd'hui, toutes ces habitudes-là, c'est comme si on a tout pris, on a jeté dans l'eau. Peut-être parce que vous avez prié, que vous avez demandé quelque chose et que vous n'avez pas vu la chose arriver.
Et cela vous a découragé. Or, pour Dieu, peut-être que c'était seulement un test. Dieu voulait voir jusqu'où vous êtes capable de tenir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que lui dit, il l'accomplit toujours. Est-ce que je peux entendre un amen? Croyez en Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne change pas. Ni par sa façon d'être, ni encore par sa façon de faire les choses. Il est Dieu. Si tu lui fais confiance, comme la Bible dit là, comme nous l'avions lu dans le psaume, Dieu a fait des miracles, les gens ont vu, mais malgré ça, ils ont continué à faire des choses contraires à la parole. Mais quand vous vous comportez comme ça, ne vous embêtez pas. Dieu peut vous détruire. Alléluia. À moins que vous soyez son enfant vraiment véritable et qu'il vous a connu dès avant la fondation du monde, pour qu'il puisse vous supporter jusqu'à ce qu'il vous amène à la repentance. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il est aussi patient. Parce que lui connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Amen. C'est très important. Il faut souligner cela. Donc, après que Martin ait vécu cette expérience, il est maintenant, il fut enflammé du feu divin. Martin cherchait à servir le Seigneur de tout son cœur. Donc, tout son cœur, il a donné ça à Dieu pour le servir. Sa vie devint une succession de miracles qui manifestaient la puissance de Dieu. Donc, une fois que vous avez rencontré Dieu, vous l'avez vu par la révélation. Votre vie devient par la même occasion une vie miraculeuse. Donc, vous devenez comme l'aéroport de Dieu où les anges descendent, où l'Esprit descend pour faire des choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que Martin avait vécu comme expérience. Continuons notre lecture. Après avoir quitté l'armée et être devenu un dirigeant de l'Église, il milita activement contre l'idolâtrie. Arrêtez-nous là. Quelquefois, les gens, quand ils nous observent, ils ne comprennent pas. Regardez. Martin, ici, il s'est mis à combattre l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est toute forme d'adoration qui n'est autre. Donc, en fait, laisse-moi reformuler. Toute forme d'adoration qui n'est pas la vraie adoration. C'est ça l'idolâtrie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça dit, par exemple, la parole de Dieu dit ceci. Mais vous, vous êtes dans l'église, vous ne voulez pas faire ce que dit la parole, vous faites autrement. Ça veut dire que vous êtes des idolâtres. Oui. Parce que vous n'avez pas aimé ce que Dieu a dit. Mais qui est Dieu? Dieu n'est rien d'autre que sa propre parole. C'est pourquoi Frère Abraham, quelque part, il dit, il y a des gens aujourd'hui, ils adorent leur travail, ils adorent leur mari, ils adorent leurs femmes, ils adorent leurs enfants, ils adorent même les stars de cinéma. Voyez-vous? Adoration, ça veut dire vouer un culte à ces gens-là. Ça veut dire que ces gens-là, vous les aimez tellement que deux fois, vous ne voulez même pas les blesser. Même s'il a fait quelque chose de mauvais, vous n'avez pas le courage de pouvoir les reprocher. Ça, ce n'est pas le vrai amour. Parce que le vrai amour, comme le dit la Bible, l'amour est correctif. Donc, quand quelqu'un, quelque part, on est en train de détruire Dieu, mais lui, au lieu de prendre position, à défendre la parole, mais lui, il prend position pour ceux-là qui détruisent la parole, cet homme-là, c'est un idolâtre parce qu'il n'adore pas Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Dieu qui doit faire l'objet de notre adoration. Alléluia. Alors, quand nous ne le faisons pas et que nous faisons autre chose à la place, nous devenons des idolâtres. Tout ce que vous aimez avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que je peux entendre la main? C'est dur. C'est dur. Mais ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est mieux de connaître ces choses. Alléluia. Parce que là, vous allez aller vers Dieu. Oh Seigneur, moi cette chose, vraiment, je sens que j'aime ça tellement et que je le place devant toi. Pardonne-moi, Père. Et aide-moi, Dieu, à quitter cette position. Et si vous êtes sincère, Dieu vous aidera.
Alléluia. Donc, ici, la Bible dit que, non plutôt les Saintes Écritures, les Écritures nous disent, ou Frère Branham nous dit, qu'il milita activement contre l'idolâtrie. Il abattait les idoles, brisait les statues et renversait les autels. Quant à cause de ses actions, il y a affronté les païens. Il leur lança un défi tout à fait semblable à celui d'Élie devant les prophètes de Baal. Il offrit de se faire attacher à un arbre du côté où celui-ci s'inclinait. De sorte que l'arbre l'écrase quand on l'abattrait, à moins que Dieu n'intervienne pour faire retomber l'arbre du côté opposé. Vous voyez les défis que Martin est parti donner. Pour donner les défis, il faut vraiment être sûr que Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que sinon, eh bien, vous allez donner un défi, Dieu n'est pas là-dedans, et la chose ne va pas s'accomplir. Et vous allez faire honte à Dieu pour rien. Vous savez, pendant que je parle de cette chose, je me souviens là, quand nous étions au Canada, un jour nous sommes allés, c'était dans l'église du pasteur Christophe, Bethel, son église s'appelle Bethel Tabernacle, dans la communion fraternelle là-bas, on nous a invités chez un frère, dans une maison, dans la maison du frère en mission et la sœur cadette, là à Winnipeg. Et pendant qu'on était là chez eux, on nous avait tellement bien reçus. Ah! Donc mon âme vraiment s'est réjouie. Je crois que le Saint-Esprit dedans, il a vraiment la joie. Et je me suis senti conduit à leur poser la question. Je leur ai demandé, quand on était arrivé au moment de prier, j'ai dit, mais vous nous avez tellement bien reçus dans cette maison. Est-ce que dans cette famille, il n'y a pas une requête que vous avez? Alléluia. Pendant que je parle de ça, je pense à Élie ou Élisée, quand il était dans la maison de cette veuve-là. Il était tellement bien reçu. Et il a posé la question, est-ce que dans cette maison, il n'y a pas un besoin? Alléluia. La femme ne voulait même pas présenter la requête. Mais c'est le serviteur d'Élisée qui a dit, oh, mon Seigneur, dans cette maison, ils ont tout, mais il leur manque un enfant. Ah, le prophète a dit, ah bon, on va prier pour ça. Donc ce jour-là, oh mon Dieu, vous savez, Frère Ram dit, Satan ne peut pas se répéter. Mais Dieu, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, et c'est ce qu'il fera demain. Alléluia. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen, amen. Donc ce jour-là, nous avons ressenti cette conduite et nous avons posé la question à cette famille. Nous leur avons demandé, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un besoin ici? Et ils ont dit, nous avons besoin d'un enfant. Ils avaient fait 4 ans, ils n'avaient pas de bébé. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Alléluia. Jusqu'à ce que c'est comme s'ils avaient même perdu la foi, qu'ils vont avoir encore un enfant. Et ce jour-là, après que la question était posée, ils ont fait leur requête et on a prié. On a demandé à Dieu, toi qui ne changes pas, ô Seigneur, descends encore et accomplis les miracles. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, des fois, ils oublient. Quand ils sont dans les besoins de voir Dieu, ils oublient une seule chose. Que Dieu, il est le spécialiste des miracles. Donc quand on parle du domaine du miracle, ça revient d'abord à Dieu. Alléluia. Ah. On a prié. C'était comme de la blague. Mais on a commencé à compter. En tout cas, moi, j'ai commencé à compter à partir de ces jours-là. Et je vous dis, mes frères et sœurs, 9 mois après ou 10 mois après, le bébé, il était là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Il est le même. Alléluia. Amen. C'est même Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est de croire en lui. Alléluia. Oh, merveilleux Père. Donc ici, là, Martin, conduit par l'Esprit, et il a dit, attachez-moi. Attachez-moi à l'arbre du côté où ça tombe. Et ces gens risés, ils sont partis. Ils l'ont attaché. L'attacher à un arbre qui poussait au flanc d'une colline. Donc, tu vois, ils n'ont pas cherché un terrain plein comme ça,
Mais ils ont cherché une colline. Donc là, là où il y avait une colline. En tout cas, Dieu, quand Dieu fait quelque chose, c'est terrible. Une colline. Et dans la colline, là, il y avait un arbre qui était déjà penché comme ça. Alors, ils ont attaché Martin ici. Et ils vont couper l'arbre. Donc, on ne pouvait pas les manquer. Certainement que ce jour-là, Martin, il allait être écrasé. Donc, et ils attendaient que Martin soit écrasé. Donc, il offrit de faire attacher un arbre du côté de celui, s'incliner, de sorte que l'arbre l'écrase quand on l'abattrait, à moins que Dieu n'intervienne pour faire retomber l'arbre du côté opposé. Rizé, les païens l'attachèrent à un arbre qui poussait au flanc d'une colline. Ainsi, ils étaient sûrs que la force naturelle de la pesanteur ferait tomber l'arbre sur lui pour l'écraser. Au moment où l'arbre commençait à tomber, Dieu les rebâtit vers le haut. Donc, ce jour-là, les lois de la pesanteur ont été défiées. Donc, la loi naturelle, c'est comme tu tiens quelque chose comme ça, ça doit tomber par terre. Mais ce jour-là, au lieu que ça tombe, ça commence à repousser de l'autre côté. Si ça, là, si ce n'était pas Dieu, qui peut le faire? Parce que Martin était capable de faire une telle chose. Ça ne pouvait être que Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu les rebâtit vers le haut à la contre de toutes les lois de la nature. Les païens prirent la fuite. Et plusieurs d'entre eux se retrouvèrent écrasés sous l'arbre abattu. Les historiens attestent qu'à trois reprises, au moins, il ressuscita les morts par la foi dans le nom de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, Martin, depuis qu'il avait fait cette expérience, où il avait donné ce qui lui appartenait à un mendiant, et Dieu est venu le visiter la nuit, et Martin a fait quoi? Il a donné son cœur à Jésus. Et depuis ce jour-là, il devait un miraculeux. Donc, dans ta vie aussi, tu dois te regarder, te poser la question, as-tu déjà rencontré Jésus? As-tu déjà fait une expérience avec Jésus? D'autres vont penser que ça doit être nécessairement un songe, une vision. Mais non, ma soeur, mon frère, je vais vous donner un autre témoignage. Un jour, il y avait un monsieur qui cherchait Dieu. Il entre dans cette église, il cherche Dieu, il ne le voit pas. Il va dans cette autre église, il cherche Dieu, il ne le voit pas. Il va là-bas, il cherche Dieu, il ne le voit pas. Avant de commencer ses recherches, un jour, sa femme lui disait, accompagne-moi à l'église. Ah, vous, vos églises, là, vraiment, non, moi, je ne suis pas intéressé. Un jour, il passait sa route, il a vu un bout de papier par terre, et il a ramassé ce bout de papier, et il a lu, il y avait une question. Où passeras-tu ton éternité? C'était une question. Ah, on m'a dit, quoi? Mais ça, c'est sérieux. Il y a une histoire d'éternité ici. Donc, un jour, les gens vont vivre éternellement. Mais moi, je serai où? Donc, depuis ce jour-là, c'est pourquoi nous avons dit à partir de ce moment-là. Amen. Ah! Je prie Dieu que ce soit aussi l'occasion pour quelqu'un, à partir de ce moment-ci, qu'il se mette à chercher Dieu. Alléluia! Si au moins ses paroles parlent à son cœur. Parce que la chose, c'est ça. Dieu n'est rien d'autre que sa propre parole. Donc cet homme-là, il s'est mis à aller d'église en église. Église en église. Église en église. Heureusement pour lui, il y avait un prophète dans le pays. Parce que des fois, quand nous prions, nous faisons des choses, nous ne comprenons pas. Alors nous allons voir un prophète pour lui poser la question. Et le prophète répond. Dis-moi si Dieu lui donne une réponse. Alors ce jour-là, le frère Branham lui dit, mon cher ami, tu cherches Dieu, je sais, mais tu l'as déjà trouvé. Le jour où tu t'es posé la question, où la question t'avait été posée, que où passeras-tu ton éternité? Et que la soif de chercher Dieu est montée dans ton cœur, c'est lui qui était déjà venu en toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Amen. 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 Donc voyez-vous, cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps. Amen. Si vous ressentez quelque chose là dans votre cœur, même un tout petit quelque chose,
Qui vous dit de faire quelque chose pour Dieu, faites-le, n'hésitez pas. Parce que les gens pensent, par exemple, que le jour où Dieu a dit à Abraham, quitte le foyer de ton père, va dans les pays que je te montrerai. Ils pensaient que c'était les montagnes, comme Dieu, quand il parle dans la montagne, ça vibre, les tonnerres, Non. Deux fois quand Dieu parle, c'est seulement un petit quelque chose dans le cœur qui te parle là. Et bien c'est lui qui est en train de parler. Alléluia. Comme ce jour-là, Élie qui attendait que Dieu passe devant lui. La Bible dit, les feux passa, Dieu n'était pas dans les feux. Les tonnerres passa, Dieu n'était pas dans les tonnerres. Mais il a senti une petite brise qui venait. La Bible dit qu'Élie s'est recouvert la tête. Alléluia. Parce que Élie, devant Dieu, il était comme l'épouse. L'épouse se couvre la tête devant son mari. Parce qu'elle dépend de l'autorité de son mari. C'est pourquoi la femme ne doit pas couper ses cheveux. Parce que ses cheveux lui ont été donnés comme voile afin de se présenter devant Dieu. Alléluia. Élie se couvre la face. Et la petite voix sortit, n'est-ce pas, de ses petits voiles, de ses petits vents. Élie, Élie. Élie s'est incliné. Et Dieu était là, en train de parler. Il n'était pas dans les grands vents. Il n'était pas dans les tonnerres. Des fois, les gens pensent que quand on fait trop de bruit, alors c'est Dieu. C'est comme les églises dérangent les gens au Congo là-bas. La nuit, ils dansent, ils chantent, ils font beaucoup de bruit. Jusqu'à ce que les voisins ne trouvent plus la paix. Ils cherchent Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Dieu, il est simplement dans sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Cela ne veut pas dire que quand on est rempli de l'esprit, on n'adore pas. Non, on adore. On chante, on crie. Oui, tout ça, on fait ça dans l'esprit. Mais en toutes choses, il y a toujours l'équilibre. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, donc les historiens attestent que trois reprises au moins, il résista les morts par la foi dans le nom de Jésus. Une fois, il priait pour un bébé mort, comme Élisée. Il s'est tendu sur le bébé et pria. Le bébé revint à la vie et retrouva la santé. Une autre fois, il fit appeler pour venir en aide à un frère qu'on allait mettre à mort à une époque de forte persécution. Quand il arriva, le pauvre homme était déjà mort. On l'avait pendu à un arbre. Son corps était sans vie et ses yeux exorbités. Mais Martin le descendit. Il pria. Avant que je clôture cette place-là, j'aimerais quand même souligner une chose. Dans le passé, le peuple de Dieu a eu à subir beaucoup d'affres, même le peuple d'Israël. Les gens, les historiens qui racontent l'histoire, ils disent c'est comme si Dieu n'était pas là, que Dieu ne voyait pas le mal que les gens faisaient à son peuple. Mais vous savez, l'intelligence de Dieu pour les hommes, c'est comme de la folie. Et l'intelligence des hommes pour Dieu, c'est comme de la folie. Donc ces deux choses-là ne peuvent pas marcher ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre Dieu par toi-même. Tu ne peux les comprendre qu'à travers les Saintes Écritures. Or Dieu permettait ça parce que c'était l'étape du sacrifice. C'était l'âge du sacrifice de l'Église. Donc, on a batté les enfants de Dieu comme on a batté les agneaux. Et Dieu regardait. Et ces gens-là se sacrifiaient pour Christ. Et ils recevaient les robes du salut comme ça. Parce qu'ils prouvaient devant le monde qu'ils ont aimé Dieu plus que leur propre vie. Est-ce que nous, on sommes déjà arrivés à ce niveau-là? On va vraiment te déplier à cause de Christ et tu acceptes ça? C'est compliqué. Donc ces jours-là, Martin descendit le frère, il pria. Et alors l'homme revint à la vie, à la grande joie de sa famille, qui le retrouva. Martin n'a jamais craint l'ennemi. Donc vous voyez, Martin avait une foi agissante. En réalité, c'est comme ça tout un chrétien. Quand tu rencontres Christ, ta foi doit avoir des œuvres. Tu dis que tu es chrétien, mais ta foi n'a pas des œuvres. Comment est-ce possible? Comment? Un chrétien, la foi doit avoir des œuvres. Oui,
Ce n'est pas ses propres œuvres. Ce sont les œuvres de celui en qui il a cru. Parce que lui a cru en qui? Il a cru en Dieu. À Dieu, alors Dieu le reconnaît en lui accordant le désir de son cœur. Bien sûr, ce désir-là doit être de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Il est Dieu. Il est le même jusqu'à aujourd'hui. Martin n'a jamais craint l'ennemi, quel qu'il puisse être. Ainsi, il affronta en personne un empereur méchant qui était responsable de la mort de nombreux saints remplis de l'esprit. Comme l'empereur ne voulait pas lui accorder une audience, Martin s'en alla voir un ami de l'empereur, un nommé Damas, criait l'évêque de Rome. Mais l'évêque, qui n'était un chrétien que de nom, de la fausse vigne, ne voulut pas intercéder. Vous voyez? Ah, Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est terrible. Il y a toujours des gens comme ça, comme ces évêques-là, dans les églises aujourd'hui. Quand ils voient l'Esprit de Dieu travailler dans un frère, ils ont peur de ces frères-là. Ils veulent ou pas que le frère-là soit exposé dans une chose ou quoi que. Non. Vous voyez? Que Dieu vous aide, parce qu'on peut dire que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que ici, frère Branham dit que cet évêque-là, qui n'était un chrétien que de nom, on le voit faire chrétien. Ah, que Dieu te bénisse, frère. Mais c'est un frère seulement de nom. Il n'est pas un réel frère. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Vous allez entendre de précision. Frère que de nom, de la fausse vigne, ne voulut pas intercéder. Comment un frère, il voit un autre frère en train de souffrir pour pouvoir l'aider, le frère la refuse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Amen. C'est pas normal. D'abord, un élu ne peut pas persécuter un autre élu. Mais l'élu, là, il est en train de persécuter l'autre. Non, pas lui et tout ça. Frère Abraham dit, tu ne diras même pas du mal de ton frère. Mais toi, même des choses que tu ne connais pas, tu commences à inventer. Oh, le frère, là, il avait fait là-bas ceci. Il avait fait là-bas ceci. Et tu t'appelles frère. Et tu es à l'aise. C'est pas possible. Il y a une autre sémence en toi, ce n'est pas la sémence de Dieu. Ne voulut pas intercéder. Martin retourna au palais, mais on avait alors verrouillé les portes. Et on ne voulut pas les laisser entrer. Il se prosterna devant le Seigneur et pria pour pouvoir entrer dans les palais. Vous voyez, un chrétien, quand il est devant une difficulté, quand la porte ne veut pas s'ouvrir, alléluia, qu'est-ce que le chrétien fait? Il se prosterne devant Dieu et il prie au Seigneur de faire quelque chose. Il entendit une voix qui lui disait de s'élever. Amen. C'était la voix de Dieu. Quand il le fit, il vit les portes s'ouvrir toutes seules. Il entra dans la cour, mais l'arrogant souverain ne voulut pas tourner la tête vers lui pour lui parler. Martin pria de nouveau. Les gens pensent que quand il a prié, oh, par exemple, Seigneur, donne-moi les maris. Ah, Seigneur, donne-moi les maris. Un frère vient, par exemple, il regarde, ah, c'est pas les bons frères, c'est pas lui. Donc, ah, vraiment, ma prière est terminée. Non, la prière n'est pas terminée. Il faut continuer. Alléluia. Continue à prier jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à la chose. Parce que Dieu est Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Vous savez, quand Dieu créait le monde, il disait toujours, tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Ça veut dire que tous les dons de Dieu sont bons. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne peut pas donner quelque chose de mauvais. Alléluia. Quand vous voyez quelque chose de mauvais arriver, ça veut dire que c'était un test. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que la vraie chose est toujours en route. Et ça viendra par s'accomplir. Alléluia. Donc, Martin pria de nouveau, soudain. Un feu jaillit spontanément du siège du trône. Et l'empereur mécontent se retira en hâte. Vous voyez, le chef qui ne voulait pas s'élever, Dieu l'a fait lever par le feu. Il a allumé le feu et le monsieur s'est mis debout. Assurément, le Seigneur humilie les orgueilleux et élève les humbles.
son ardeur à servir le Seigneur était telle que le diable s'est déchaîné. Les ennemis de la vérité, écoutez-moi bien ici, les ennemis de la vérité chargèrent des assassins de tuer Martin. Vous serez peut-être étonné, mais aujourd'hui, ces choses-là se passent dans les messages, comme on peut dire dans les messages. Mais en fait, ce n'est pas dans les messages, mais parmi les frères qui, les soi-disant frères qui sont venus dans les messages. C'est là où se passent ces choses. Aujourd'hui, des fois, ils assassinent les autres frères. Des fois, ils ensorcellent d'autres frères. Des fois, ils mettent des poisons à d'autres frères. Vous pouvez vous imaginer? La vraie sémence de Dieu s'est comportée comme ça? Non. Les ennemis de la vérité chargèrent des assassins de tuer Martin. Ils se glissèrent chez lui. Et comme ils s'apprêtaient à les tuer, ah, l'assassin va continuer, ça va pisser, va mon bon. Ils ont déjà reçu leur argent, ils vont faire leur boulot. Et ils sont entrés. Avec des machettes et tout ça. Peut-être même des colonnes. Pour faire leur boulot. Martin dit, vous êtes les bienvenus. Voici mon coup. Allez, coupez. Il faut avoir une telle foi, alléluia, pour agir comme ça. Il se glissa chez lui et comme il s'apprêtait à les tuer, il se redressa, prêta la gorge à l'épée. Alors qu'il se lançait vers lui, la puissance de Dieu les rejeta brusquement de l'autre côté de la pièce. Saisi de crainte dans cette impressionnante atmosphère de sainteté, ils se mirent à ramper sur les mains et les genoux pour aller lui demander pardon d'avoir attenté à sa vie. Voyez-vous, vous savez, quand on livre un frère au diable, si c'est un frère, sa vie va tomber. Ups and downs. Il tombera en bas. Et il va commencer à marcher en rampant. Jusqu'à ce qu'il vienne demander pardon à Dieu. Pour qu'on répare les choses. Mais si vous voyez un monsieur, on prie pour lui, on le livre à Satan. Sa vie semble prospérer. Ça veut dire qu'il n'est pas une semence de Dieu. Parce que Dieu ne marche pas contrairement à sa propre parole. Nous avons vu ça dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous les déclarons fermement. Donc ces gens-là, ils ont vu la puissance de Dieu dans la vie de Martin. Il arrive trop souvent lorsque des hommes sont utilisés par le Seigneur de façon spectaculaire, qu'ils s'enflent d'orgueil. Ça, je vais seulement passer sans commenter. Mais nous voyons ça tellement. Dieu élève seulement quelqu'un comme ça. Et ce messie-là, il devient comme si c'est lui Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui pardonne les péchés, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Donc sa parole, il commence à penser que sa parole-là, c'est ça la parole de Dieu. C'est ce que le frère va me dire ici. Mais ce ne fut pas le cas de Martin, qui est toujours resté un humble serviteur de Dieu. Donc un vrai serviteur de Dieu, même si Dieu bénit son ministère comment, même si Dieu fait de lui quoi que ce soit, cet homme-là, il reste humble. Il ne devient jamais orgueilleux. Au moins, je suis ceci. Toi qui es-tu? Tu n'es que poussière, oui. Dieu peut te frapper comme il a frappé Hérode. À la minute, les asticots sont sortis de son corps. Un soir, alors qu'il s'est préparé à monter en chair, un mendiant entra dans son bureau pour lui demander des vêtements. Martin envoya le mendiant à son diacre principal, Autain. Voilà. Un diacre qui sert un messager, n'est-ce pas? Un homme de Dieu, rempli, humble, humble serviteur. Mais son principal diacre, Autain, orgueilleux. Vous voyez ça? Écoutez l'histoire. Le diacre ordonna au mendiant de s'en aller. Donc, il n'a même pas respecté les paroles de son pasteur, parce que son pasteur lui a dit, donne-lui quelque chose. Lui, au lieu de donner, il évalue la situation à sa propre manière, et il dit au mendiant, allez, va-t'en. Celui-ci retourna donc voir Martin. Martin s'éleva, bien qu'il méditait, hein, il a quitté la méditation, offrit sa belle soutane au mendiant, et demanda au diacre de lui apporter une autre soutane de moins bonne qualité. Vous voyez, il portait celui qui était vraiment de très bonne qualité. Il l'a enlevé, il l'a donné. Et il dit maintenant au diacre, amène-moi une autre soutane. Là, le diacre ne pouvait plus dire non.
Parce que la situation a changé. Ce soir-là, alors que Martin prêchait la parole, les troupeaux de Dieu virent rayonner autour de lui une douce lumière blanche. Assurément, il était un grand homme, un véritable messager pour cet âge, sans jamais rechercher autre chose que d'être agréable à Dieu. Amen. Quand vous cherchez à être agréable à Dieu, les gens vont vous combattre. Il vécut une vie d'une grande consécration. Il ne se permettait jamais de prêcher avant d'avoir prié et d'avoir atteint un niveau spirituel qui lui permette de connaître et d'apporter tous les conseils de Dieu par le Saint-Esprit. Envoyé du ciel, souvent, il faisait attendre les gens alors qu'il priait pour obtenir une pleine assurance. À connaître Martin et son ministère puissant, on pourrait penser que la persécution des saints avait diminué. Pas du tout. Les diables continuaient à les détruire par les moyens des méchants. On les brûlait au buffet. On les clouait sur des rodins, tournés vers le sol. Et on lâchait des chiens sauvages sur eux pour que les chiens déchirent leur chair et leurs entrailles, laissant les victimes mourir en proie à de tortures atroces. On arrachait les bébés du ventre des mères enceintes pour les jeter aux cochons. On coupait les seins des femmes et on les forçait à rester debout, perdant leur sang par saccade au rythme des battements du cœur, jusqu'à ce qu'elles s'écroulent mortes. Et la chose était d'autant plus tragique quand on pense que ce n'était pas seulement la lèvre des païens, mais c'était souvent l'effet des soi-disant croyants. Vous voyez, les soi-disant croyants qui mettaient à mort des vrais croyants. Mais ces soi-disant-là, qui pensaient rendre service à Dieu en exterminant ces fidèles soldats de la croix qui tenaient fermes pour la parole et l'obéissance au Saint-Esprit. Jean 16, 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'air vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Matthieu 24, 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alléluia. Oh mon Dieu. Je crois que pour aujourd'hui, laissez-moi vérifier si je dois toujours continuer ou on doit arrêter là pour aujourd'hui. Ah ouais, bon, voilà, on continue un peu, donc je termine mon chapitre et je le clôt par la grâce de Dieu. Donc par des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit, Martin a réellement été confirmé comme étant le messager de cet âge. Non seulement était-il doué d'un grand ministère, mais il était lui-même fidèle pour toujours à la parole de Dieu. Attendez un peu là. Vous voyez la chose que je viens de lire tout à l'heure là? Les gens qui font du mal à d'autres frères et sœurs, les faisant, ils pensent qu'ils sont en train de rendre service au Seigneur. Vous voyez? Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Ils font mal. Mais dans leur façon de faire, là, ils croient que, ah non, ce frère-là, non. Ce frère-là, non, il ne peut pas nous prêcher. Non, il n'en a pas la qualité. Mais non, ils sont en train de rejeter Christ. Mais eux, ils pensent qu'ils font juste. Vous voyez? Donc, c'est vraiment terrible. Il combattait l'organisation. Donc Martin combattait l'organisation. Tout celui qui a l'esprit de Christ ne peut que combattre l'organisation. Là où les hommes prennent la place de Dieu, où Dieu n'a plus droit au chapitre, c'est ce que, oh non, le pasteur m'a dit ça. Mais ce que le pasteur a dit, si c'est contraire à la parole, on doit croire qui? Le pasteur ou la parole? Voyez-vous? C'est ça l'organisation. Quand le pasteur répète, ça doit être fidèle à la parole. Il résistait au péché dans les plus hautes sphères. Vous voyez, il était le champion de la vérité
en parole et en acte. Et il vécut une vie pleine de victoires chrétiennes. Alléluia. Voici ce qu'un biographe écrivait de lui. Personne ne l'a jamais vu en colère, troublé, affligé ou en train de rire. Il était toujours le même. Il reflétait quelque chose d'immortel. Une sorte de joie céleste transparaissait sur son visage. Il n'avait jamais aux lèvres que Christ, jamais dans le cœur que piété, paix et pitié. Il plaidait souvent pour les péchés, même de ses détracteurs. Les gens qui voulaient lui faire du mal, lui priait pour eux. Qu'il attaquait avec des langues de vipères et le poison aux lèvres alors qu'il était silencieux ou absent. Beaucoup les haïssaient pour des vertus qu'eux-mêmes ne possédaient pas et qu'ils ne pouvaient pas imiter. Hélas, ses opposants les plus déchaînés étaient des évêques. Mettez-vous debout. Oh mon Jésus, que Dieu nous aide. Vous comprenez que l'épouse a un morceau sérieux. Parce que pour atteindre de telles qualités de l'esprit, il faut que Christ vienne en vous. Sinon, c'est impossible. Alléluia. 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 Oh, sia bonga, sia. Merci Père pour les services d'aujourd'hui. Merci Père divin de nous avoir parlé. C'est toi seul Seigneur qui connais les cœurs qui ont été touchés par rapport à ces messages. Ou les
esprits vers lesquels, Père, toi tu as parlé, ô Dieu bien-aimé. Mais en tout et pour tout, Père, nous te disons merci. Bénis, Père, ceux qui ont écouté. Bénis ceux qui écouteront après. Assiste, ô Dieu bien-aimé, ton peuple, partout où il se trouve, Père, car nous ne les connaissons pas tous. Tu es le seul Père qui les connaisse, ô Dieu. C'est pourquoi, Père, nous confions une fois de plus à toi, ô Dieu. Et nous savons que, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Mais comment devenons-nous dignes, Seigneur? C'est simplement à travers le sang de Christ. Parce que ce sang n'a aucun péché. Ô Père, laisse que ce sang, Père, continue à nettoyer nos âmes, nos esprits, nos vies, Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver tout à fait dignes de toi, ô Père. Accorde-nous ta grâce et ta bonté, Seigneur. Répands ta parole, Père, partout où elle est censée partir. Car il est écrit dans Matthieu 24. Oh, que cette bonne parole de l'Évangile sera prêchée dans toute la nature, dans tous les mondes. Et alors viendra la fin. Oh, Seigneur, nous voyons la fin qui approche. Père, nous abandonnons toutes les choses à toi. Béni sois-tu, loué sois-tu. Père, je prie pour les 10 000 offrandes, ceux qui en avaient, Père. Ô Dieu, qui en avaient les désirs, Père, pourvois pour eux. Pense, Seigneur, à nous, ô Dieu. Accorde ta grâce en toutes les choses. Ainsi, Père, dans mon Dieu, ainsi prier et demander pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia, amen, oh, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, oh.